Nous avons Anel maintenant de Paris. Moi c'est Anel, 23 ans aussi, et du coup j'habite à Paris. Alors salut Karis, salut Kalash. Donc du coup ma question pour vous c'est après bon peut-être un peu plus Karis comme il a pu se commencer, mais en termes de cinéma, cinématographie, Karis, bon j'ai vu t'as fait pas mal de rôles dans ce cinéma, et franchement moi je trouve que c'était pas mal quand même pour quelqu'un qui débute dans le domaine. Donc c'était savoir si t'avais peut-être d'autres projets sur le long terme ou à moyen court terme. Et après même pour Kalash, hein, je pense que un petit rôle dans une petite série ou un petit film, ça pourrait bien passer. Donc pourquoi pas même un duo, un feat en film tous les deux. À quand le prochain box-office français? Alors, Karis, il y a des trucs annoncés sur le ciné ou pas pourtant? Ouais, il y a des trucs là. Je suis en train de préparer un projet là avec Netflix sur un gros film que j'ai, on va dire, pas écrit, mais l'idée vient de moi. C'est moi qui ai mis. Donc c'est vraiment en cours là. Ouais, c'est en cours. On va le débuter le tournage bientôt. Inch'Allah. Ah oui, donc c'est bien avancé même. C'est ouais, bien avancé. Si vous rentrez déjà en tournage, c'est que. Ça, Sarah May, merci pour la force. Et là, il y a un. Est-ce qu'il y aura un rôle pour Kalash criminel? Lui, je lui ai déjà dit, c'est quoi son rôle avec sa cagoule? Ah, oui, des films. Il sait déjà. Des films amateurs. Des films amateurs. Il sait déjà. Avec le gros qu'il faut. Ouais, sinon, là, il y a un truc là qui passe ce soir, même sur téléphone. Là, il y a une série dans laquelle j'ai tourné. Là. Ah, c'est ce soir aussi? Ouais, tous les jeudis soirs, ouais, la série. Une si longue nuit. Réalisée par mon poteau Jérémy Mini. Donc voilà, grosse force donc, à lui. Ça continue, série, film sur Netflix, donc voilà, prochainement aussi. On continue, on lâche pas. Et en effet, Kalash, peut-être une apparition furtive, cagoulée. Comme never. Cagoulée dans une brèche. Comme never. Planète rap.